Je m'appelle Serge Gervais, je suis acupuncteur depuis 20 ans, membre de l'Ordre des acupuncteurs du Québec et de l'Association des acupuncteurs du Québec. Déjà, quand j'étais relativement jeune, je m'intéressais à aider les gens qui m'entouraient. C'était un peu dans ma nature. Quand j'ai eu l'occasion de prendre connaissance, j'avais à peu près 7 ans, et quelqu'un m'a présenté le signe du yin et du yang, puis ça m'a vraiment comme touché. Il y avait quelque chose, il y avait comme une force en arrière de ça. Puis à ce moment-là, ça m'a introduit là, à une vision un peu particulière du monde. D'ailleurs, j'avais l'habitude d'aller fréquemment dans la forêt, ce qui me permettait de prendre contact avec les forces de la nature. Puis l'acupuncture, c'est basé sur la perception des forces de la nature, du mouvement de la nature, ce qui permet de pouvoir traiter la personne d'une façon un peu plus personnelle. Je travaille au Salon Liane, ça va faire 8 ans en mois d'avril, dans un environnement assez exceptionnel. Quand on exerce dans un endroit qui est harmonieux, à ce moment-là, on favorise l'harmonie au niveau de l'intervention. On peut aider la personne à se sentir mieux, à viser plus la santé que d'essayer de combattre la maladie. Quand je suis arrivé ici, il y avait des patients qui connaissaient l'acupuncture, d'autres qui ne connaissaient pas. Ce que je fais à ce moment-là, c'est que j'essaie toujours de la première séance, même si c'est quelqu'un qui est déjà venu me voir, je lui explique les modes de fonctionnement. En expliquant les modes de fonctionnement, ça permet déjà d'établir une forme de dynamique, ne serait-ce que dans l'esprit de la personne, ce qui va participer au bon déroulement du traitement. En médecine chinoise, il y a un principe qui dit « là où la pensée va, le qi va ». Donc, ça veut dire en pensant à un endroit du corps, bien déjà, il y a un mouvement qui peut se faire. Il y a des gens qui se rendent malades seulement par leur pensée par rapport à un endroit de leur corps. Bien, c'est un petit peu comme si je me servais de ça aussi pour permettre à la personne de commencer déjà à faire le traitement, si on veut, d'un certain sens. Moi, j'appelle ça un peu le confessionnal, parce que la personne, à ce moment-là, doit révéler plein de choses. On est assermenté, on a le secret professionnel. À ce moment-là, ça reste vraiment entre la personne et moi. La première des choses, c'est que la personne, juste à voir marcher, la texture de sa peau, la texture de ses cheveux, comment qu'elle parle, ses yeux, le blanc des yeux, tout ça, ça nous indique déjà des choses qui vont nous permettre d'avoir une idée un petit peu sur son fonctionnement. Ensuite, ben là, on pose des questions sur les signes et symptômes que la personne a. Ensuite, on fait un survol de l'ensemble du fonctionnement des différents systèmes, cœur, foie, poumon, rein. Pour faire ça, il y a l'examen de la langue. L'examen de la langue, c'est à ce moment-là, la forme, la couleur et l'enduit permet de voir un peu les processus internes, là, la physiologie interne, comment elle fonctionne, selon la perception là, de la médecine chinoise. Ensuite de ça, ben là, on a la prise de pouls. La prise de pouls, c'est des pouls radio qui sont pris ici. Il y a 28 sortes de pouls en médecine chinoise qui nous permettent de cibler un peu là, ce qui est en surplus, en manque, s'il y a du froid, de la chaleur, etc. Puis à partir de là, ben là, on va établir un protocole de traitement, c'est-à-dire un genre de programme. Comme j'ai un clavier, les touches du clavier, c'est les points d'acupuncture. Puis là, ben, je me sers des points d'acupuncture pour induire un message là, au corps de la personne pour lui permettre d'avoir un bien-être. C'est ici, ça m'a fait une bosse qui est encore d'ailleurs. Bizarre, hein? OK. Tu te sens ici? Non, ça mais des fois, ça me fait mal. Y avait-tu autre chose? Non, je pense que pour aujourd'hui, c'est suffisant. On ne parle pas nécessairement de pathologie, on parle plutôt de problèmes de santé, de problèmes de déséquilibre, ce qui empêche la personne de fonctionner de façon optimale. Donc, étant donné qu'on a accès à un système bioélectrique qui alimente l'ensemble du corps, bien, on a contact avec l'ensemble du corps, donc on peut tout traiter. L'acupuncture est un bon complément pour tous soins médicaux, pour les effets secondaires, pour aider aussi au bon fonctionnement de la médication. Souvent, ce qui va se produire, c'est que les gens vont pouvoir baisser leur médication. On parle des énergies, là, on parle du chi. Le chi, moi, j'appelle ça l'aspect bioélectrique du corps. Au point d'acupuncture, il y a une différence de potentiel électrique, on peut le mesurer. À partir de là, ben,
on peut intervenir pour stimuler différents processus internes de la personne. On pourrait comparer ça un petit peu à un ordinateur. D'ailleurs, le signe du yin et du yang, c'est un phénomène binaire, donc un peu comme les ordinateurs. On pourrait dire qu'on a un disque dur. En médecine chinoise, on en aurait trois. Puis ensuite de ça, on a des logiciels qui sont les organes. Donc, à partir des méridiens, des points d'acupuncture, on peut faire un programme pour inciter le corps à faire certaines réactions qui vont lui permettre de reprendre son équilibre. Les méridiens, c'est un peu comme un genre de filage qui circule dans le corps. Les anciens comparaient ça un petit peu à des rivières, des fleuves et la mer et tout ça. Puis ce qui se passe, c'est que s'il peut y avoir des blocages, un éboulement ou n'importe quoi, ils ont observé ça dans la nature. Puis étant donné que nous, on venait de la nature, bien, ils sont inspirés de la nature pour essayer de comprendre comment nous on fonctionnait. Ici, on va tonifier les reins, réguler le foie, enlever les tensions, tendinos musculaires. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on favorise l'auto-guérison. Il y a des gens, des fois, qui disent qu'on m'a déjà dit, vous êtes un guérisseur. On n'est pas des guérisseurs. La seule personne qui est le guérisseur, c'est la personne elle-même. Il y a des choses à faire pour elle, par elle et par nous, comme je disais tantôt, c'est une collaboration. Il y a une participation des deux. On est des professionnels de la santé, mais on veut aussi qu'eux puissent participer à leur santé. La santé, c'est un état d'être, hein? Donc, pour être, il faut faire quelque chose. Quand on fait ce qu'il faut, à ce moment-là, ben, on est plus en santé, tout simplement. Moi, je m'appelle Lise Rioux et je suis une résidente de Pointe-aux-Utardes dans la région de Manicouagan et une cliente de M. Serge Gervais. L'acupuncture, moi, je connais ça depuis plusieurs années. Même à l'époque, ici à Baie-Comeau, il y avait un acupuncteur il y a une trentaine d'années et j'avais même amené mes enfants là, petits, parce qu'ils faisaient des otites. Alors, pour moi, puis ça marchait. Alors, pour moi, l'acupuncture, c'était quelque chose que je connaissais, mais avec l'arrivée ici d'un acupuncteur, eh bien là, ça a été intéressant parce que je me disais, je vais pouvoir, moi, maintenant, reprendre des traitements. C'est une méthode qui me va bien, moi. Quand j'ai commencé à avoir des traitements en acupuncture, c'était parce que j'avais une toux chronique. Je toussais tout le temps. Et bon, j'ai traité ça, oui, avec l'alimentation, mais avec des traitements d'acupuncture. Puis j'ai l'impression que ça a vraiment marché parce que j'ai pu cette toux chronique-là. Et puis quand je viens, bien, comme dernièrement, c'était pour les genoux. J'avais mal aux genoux, l'âge. Je me suis fait mal aussi à une cheville. Alors, toutes sortes de petits bobos, dans le fond, qui font que l'acupuncture aide parce que ça fait circuler l'énergie. Puis effectivement, après, je dis pas que c'est parti complètement, mais c'est beaucoup amélioré. Et je dirais que l'autre pan de l'acupuncture que j'adore, c'est toute la sensation de détente. Je sens que mon système nerveux se détend, que mon corps se dépose. Et ça, c'est pendant le traitement, mais ça me dure 2 semaines, 3 semaines après. Sur un grand bout de temps, je ressens les mêmes effets dans ma vie au quotidien. Alors, c'est très agréable. Dans le fond, il y a 5 branches en médecine chinoise. Il y a l'acupuncture, principalement, qui est utilisée.
on peut arriver à faire des choses qui sont satisfaisantes avec ça. Si jamais je vois que ce n'est pas suffisant, à ce moment-là, on peut joindre la pharmacopée chinoise. Il y a une diététique qui s'occupe surtout de ce que fait un aliment, si c'est sucré, salé, acide, amer ou piquant, ou si c'est un aliment chaud, froid, tiède, glacé. Ça a une influence sur le corps. On regarde plus ça, comment ça fonctionne. Il y a les exercices Tai Chi, Qigong. Le Tai Chi, la plupart des gens connaissent ça. Le Qigong, c'est un peu plus de la méditation, aller jusqu'aux arts martiaux. C'est un peu comme du yoga, si on veut, d'un certain sens. Ça a les mêmes racines. Et il y a le Zangutuina, qui est une méthode de massage de la peau, aller jusqu'à replacer les os. Un ami à moi qui est déjà resté ici, qui est acupuncteur, m'avait parlé qu'il n'y avait pas d'acupuncteur ici depuis un bon bout de temps. Je me suis donné comme un 2 ans de réflexion, ça a pris quand même un peu de temps. Puis finalement, bien, j'ai décidé de venir faire un tour, voir ce qui se passait de bon, voir un peu où c'était, parce que malheureusement, je ne connaissais pas du tout Baie-Comeau. J'avais entendu parler, je ne savais même pas où est-ce que c'était, imaginez. Quand j'ai vu l'environnement, quand j'ai vu la place, déjà, c'était assez incitatif, parce que je suis natif de Val-d'Or. Val-d'Or, c'est un peu comme ici, sauf qu'il n'y a pas la mer. Donc, il y a un petit plus qui est bien intéressant. Puis finalement, ben, je me suis installé ici. La situation présentement de l'acupuncture au Québec, c'est une situation où est-ce qu'il devrait avoir plus d'acupuncteurs. Il devrait en avoir partout, dans toutes les villes. Présentement, on est 850. Ça manque réellement là, de personnel là, pour réussir à favoriser là, le mouvement général. Mes projets par rapport à l'acupuncture, c'est de pouvoir pratiquer le plus longtemps possible, d'aider les gens à vivre le plus sainement possible, à faire des suivis, parce que c'est pas seulement de l'urgence. Hein. L'acupuncture vise à maintenir la santé, donc ça veut dire que c'est un entretien. Les gens viennent à des rythmes différents selon leurs besoins, mais c'est pas nécessaire d'attendre à l'extrême là, pour venir consulter. Vous pouvez venir consulter quand que ça commence, quand que le problème commence. À ce moment-là, c'est beaucoup plus facile à régler. Le déséquilibre est beaucoup moins grand. C'est lourd. Oui. C'est une sensation de lourdeur. C'est pas parce que j'ai pris du poids. Vous êtes relax. Je me sens détendue. Tantôt je baillais. Et puis il y a comme un relâchement, je dirais, de tout le corps. C'est vraiment physique. Hein? L'acupuncture, c'est pas une histoire de psychologie ou tout ça. C'est vraiment dans le corps que ça se passe. Une détente. Puis je sais que dans les heures qui vont suivre, comme demain par exemple, je vais me sentir extrêmement énergisée. Pas fébrile. C'est comme une énergie, c'est comme si l'oxygène passait en moi, je dirais.